intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, Mimo, Donga, forme la toute des malheurs. Anas, pétrole, Tandon, forme la toute des malheurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tous, passent autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mitouba, Mimob, Donga, forme la toute des malheurs. Anas, Caro, Pétrole, forme la toute des malheurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont entrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba, Mimo, Donga. Donga, Donga. Maman, tu fais mon quoi dedans? Maman, j'étais seulement couchée. Tu aimes trop te coucher ces derniers temps-ci. Ne me dis pas après que tu es enceinte. Ah non, maman, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même comme Ferro tient beaucoup à toi, là, il ne faut pas que tu portes son enfant avant le mariage. Maman, je ne peux plus commettre ces erreurs-là. Plus d'enfants avant le mariage. C'est bien comme les erreurs du passé t'ont instruite, hein? C'est vrai, maman. Et moi, je ne m'amuse plus. Hey. Mado, s'il te plaît, il faut qu'on cause. Tu vas vraiment me dire quoi, Mado? Tu vas me dire quoi? Ouais, ma chérie, je sais que c'est difficile. C'est très difficile même. Mais comprends-moi. Hé, Toba, jusqu'où vas-tu me couvrir de honte? Ma ménagère? Mais Touba, tu engrosses ma ménagère dont les femmes ont manqué ici dehors. Hein? Ouais, Mado, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Ouais, mais Touba, quel respect pour toi? Hein? Quel respect pour nous, les femmes? Comment les gens vont nous regarder au quartier après une telle histoire? Hein? Je jure que cela est arrivé contre ma volonté. Ah, c'est arrivé sans ta volonté. Quelle disposition as-tu prise? Donc il n'y avait pas de préservatif? Hé, hey, j'avais mis le préservatif. Hein. Cela, c'était seulement pensé. Mais dis-moi, Ferro tient toujours au mariage religieux comme il avait dit? Oui, oui, maman. Il a dit qu'on va se marier à l'église. Hé! Hey. Yeah! Ça veut dire que le régime monogamique est assuré, hein? Oui, maman. Ferro la t'aime vraiment, hein? Moi aussi, je l'aime. C'est vraiment l'homme de ma vie. Il a dit que les cérémonies du mariage auront lieu où? J'espère qu'il aura la photo. Au bord de la piscine, d'un hôtel. Hey! À Simba! Là, je pourrais aussi nager à la piscine pour la première fois. Je suis en haut. Maman, est-ce qu'on va là-bas pour nager? Toi aussi. Hey, est-ce qu'on peut faire le mariage au bord de la piscine et on ne nage pas? Tu pouvais tout faire. Tu pouvais sortir avec une autre femme, engrosser une autre femme. Pas ma ménagère. Ouais,
S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Il faut... Tu sais que dans ton état, tu ne dois pas être trop fâché. Calme-toi. Hé, hey, comment... Si tu te souciais de moi, c'est que tu n'aimes pas me couvrir de honte de la sorte. Tu te souciais de moi? S'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi, je ne veux plus recommencer. Excuse-moi. Excuse-moi vraiment. Et surtout, ne sois pas irrité de la sorte. Il faut protéger ta grossesse. Protège ta grossesse. S'il te plaît, Mikouma. Mikouma, quitte devant mes yeux. Mikouma, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Donc, évite-moi. Évite-moi dans cette maison. Bon, monsieur Dimov, il est presque temps pour vous. Le temps de quoi, mon commissaire? De rentrer chez moi? Je ne vous comprends pas bien. Dans une heure, vous serez transféré à la prison centrale de Nibel, d'où vous partirez pour aller répondre de vos actes devant le tribunal. Ouais, mon commissaire, je vous ai déjà dit que je suis innocent dans cette affaire, mon commissaire. Je suis en train de mourir, moi, comme ça, pour rien. Je meurs pour rien. J'attends votre femme depuis ce matin. Faut qu'elle me dise si oui ou non vous avez voulu divorcer d'elle. Et jusqu'ici, n'est toujours pas là. Mon commissaire, elle va venir. Patientez un peu, s'il vous plaît. Elle va venir. Votre femme sait pertinemment que sa déclaration pourrait contribuer à vous libérer. Qu'elle ne soit toujours pas venue témoigner en votre faveur, ça explique tout, monsieur Digmore. Ouais, mon commissaire, je vous jure qu'elle va venir. Je suis sûr, elle est en route. Peut-être que ce sont les embouteillages qui l'ont bloqué. Patientez un peu, s'il vous plaît. Oui, ma fille, je suis heureux que tu me rendes visite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? J'ai un gros problème. Un très gros problème. Ça n'allait pas me surprendre. Tu ne viens ici que quand tu as des problèmes. Ouais, papa, est-ce que tu peux me laisser au moins parler? Oui, je t'écoute. Il s'agit de quoi, ma fille? Mitumba, ton fils, a engrossé ma ménagère. Je dis bien ma ménagère. Hey! Mitumba, ce garçon aime les femmes. Bon, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle humiliation, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans une heure de temps, vous serez transféré à la prison centrale. Yeah, Mali Mokfoule, je suis mort. Qui va aller dire à ma mère, nous? Pourquoi tu me viens bien? Me voici en train d'aller en prison comme ça pour rien. Il n'y a plus rien à dire. Major! Major! Ma mère, oh, ma mère est cardiaque, mon commissaire. Ma mère va chuter si elle apprend ça. Amenez-le en cellule. Et surtout, préparez son dossier de transfert pour la prison centrale de Nibel. À vous, non, mon commissaire. Oui, mon commissaire. Appelez au moins ta mère pour lui dire que je suis en train. Mitumba, il ne pouvait pas faire ça d'erreur avec une autre femme. Papa, même avec une autre femme, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça de mes deux oreilles. Je ne veux pas. Faut te calmer, ma fille. Le fait est déjà là. On va trouver une solution pour gérer cela. Papa, faites comme vous voulez. Gérez ça comme vous voulez. Quels que soient les moyens que vous allez utiliser. Mais je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça, sinon... Attendez-vous au pire. Attendez-vous au pire. Depuis que tu es dans cette maison, est-ce que je t'ai un jour fait du mal? Tu sais très bien que je t'ai toujours traité ici comme une amie, n'est-ce pas? C'est ça, madame.
Donc comme ça, j'entretenais et je ménageais un serpent qui allait me mordre après. Non, madame. C'est pas ça, madame. Je m'excuse vraiment. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ne me dis plus jamais que tu t'excuses. Mintouma ne t'a pas violé, que je sache. Il a eu ton consentement, non? Il a eu ton consentement ou pas? Écoute, madame. Je t'ai fait du bien dans cette maison. Et tu m'as rendu du mal. Seul Dieu saura te récompenser pour l'acte que tu as posé. Malheureuse. Mais madame, je vous attendais depuis ce matin. Je suis désolée, mon commissaire. C'est pas de ma faute. J'étais sous perfusion. Nous étions déjà sur le point de transférer votre mari. Je suis là à présent. Que puis-je faire pour vous? Nous avons besoin d'une dernière information pour boucler notre enquête. Il s'agit des rapports entre votre mari et vous. Mon mari et moi, on est de très bons rapports. Nous n'avons aucun problème. Aucun. Alors, madame, est-ce que vous aimez votre mari? En tout cas, moi, je l'aime. Et lui, il vous aime? Il est là, mon commissaire. Vous pouvez lui poser la question. Monsieur Bigmore, vous aimez votre épouse? Jay, je ne l'aime pas pour aimer qui, mon commissaire? C'est ma femme. C'est mon amour, l'amour de ma vie. C'est le centre de mon existence, mon commissaire. Je l'aime à mort, mon commissaire. Tantôt, elle est partie au début du matin. Vraiment, quelle maison! C'est une honte pour Kanto, un garçon de son état, de vendre les objets de cette maison. Vraiment, il souille les gens, il souille la famille Bakoumen ici au quartier. Tu attends quoi pour l'amener en prison? Tu attends quoi pour l'amener en prison? Tu attends quoi pour l'amener en prison? Il fera cette prison un jour, c'est moi qui te le dis. Petro, si c'est ton souhait, il ne sera jamais exaucé. Et dans tout ça, tu le supportes, hein? Tu le supportes, hein? Je le supporte pas comment? C'est mon fils après tout. Il a vendu le fer à repasser. Tu dois lui dire que ce n'est pas bien. Pétrole, s'il a vendu le fer à repasser, c'est parce que toi, le successeur, tu lui donnes pas de l'argent pour résoudre ses problèmes. Attends, je vais prendre l'argent pour lui donner. Ce n'est pas à cause de vous que je dilapidais toutes nos sources de revenus. Tu es un incapable. Gérer les biens de ton père t'a dépassé, Pétrole. T'avais dit que la succession ne te méritait pas. Tu reviens encore avec ce problème de succession, mamiton. Oui, si tu n'avais pas détourné la succession qui était réservée à mon fils, on ne serait pas dans cette situation. Vraiment. Ça. Madame, dites-moi sincèrement, est-ce que votre mari a un jour voulu divorcer de vous? Non, mon commissaire, il n'a jamais voulu divorcer de moi. Je vais un peu bien aujourd'hui. Là, ça me rassure. Tu as quoi dans le sac? Je vois que tu m'as gâté. Non, c'est le nécessaire pour préparer le cuit. Je vais t'apprendre à faire ce mec. Ah, merci ma soeur. On y va tout de suite. Je n'avais même pas encore préparé. Allez.
Entrez. Ah, bonjour Samboulou, comment? Grand frère. Oui. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais il y a quoi, Samboulou? Non, je te demande ce que tu me cherches. Mais il y a quoi, non, dis donc? Comment peux-tu faire la cour à ma fiancée? Mais tu sais d'où avec cette histoire? C'est elle-même qui me l'a révélé. Et elle est loin de me mentir. Je ne vais jamais te le tolérer si tu rôdes encore autour d'elle. Amen, niam. Mais je te dis que je n'ai pas fait la cour à ta fiancée. Comment elle te raconte des histoires? Hey, attention plutôt. Ça se passe. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Excepté le fait que ce soit un peu bruyant, ça passe. Parce que c'est même ça qui fait son originalité, comme je t'ai dit tout à l'heure. Entre-temps, tu poses ton eau au feu qui brûle, parce que c'est avec ça, c'est ça qui va te permettre de recueillir toute la glu. Donc, fais ça avec l'eau chaude. Tu as bien vu le cuir, j'espère. Hein. C'est ça la tige du cuir. Quand tu vas au marché, tu demandes cette tige, le cuir, c'est ça. Voilà. Pas qu'on te vende n'importe quoi là-bas. Si tu tiens à ta vie, ne te rapproche plus encore d'elle. Tu es prévenu. Amen, niam. Et je me rends même compte que tu es comme ton ami Mitumba. Toutes les femmes du monde vous plaisent. Tout pour vous, rien pour les autres. Mais cette fois, main dans vos têtes. Est-ce que Mitumba est même mon ami? On fait seulement la réunion ensemble. Bien, monsieur Bigmok. Mon commissaire. Dans le cadre de votre affaire, le plaignant vient de sortir d'ici. Mon commissaire, je vous ai dit que je suis innocent. Je ne suis pour rien dans cette affaire, mon commissaire. En fait, il a retiré sa plainte contre vous. Vrai, mon commissaire? Oui, il dit qu'il cesse de vous poursuivre. Alors, mon commissaire, vous voyez? Je vous avais dit que je ne suis pas coupable, mon commissaire. Attention, monsieur Bigmob. Le plaignant n'a pas dit que vous n'êtes pas coupable. D'ailleurs, il maintient qu'il est convaincu que vous avez voulu l'éliminer physiquement, mais qu'il vous a pardonné. C'est pour ça qu'il a retiré sa plainte. Mon commissaire, avec le temps, il sera convaincu que je ne lui ai jamais voulu du mal, mon commissaire. Vous verrez, mon commissaire, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Dans ma famille, on ne fait jamais du mal, mon commissaire. Mais comment le docteur nous a parlé dans son bureau? T'inquiète pas, chérie, il arrive. On l'a appelé pour un cas urgent. J'ai hâte d'avoir les résultats des examens que nous avons faits. Ça ne saurait tarder, ma chérie. Bientôt, le docteur sera là. J'espère que personne ne vienne séropositif. Mais pourquoi penses-tu à ça? Tu te reproches quelque chose?
Non, j'ai juste peur. Tu sais, le sida est une maladie qui effraie. Tu as fait l'amour avec quelqu'un d'autre sans te protéger? Mais non. On ne fait l'amour qu'avec toi. Et nous sommes toujours protégés. Et pourquoi as-tu peur, donc? On ne contracte pas seulement le sida par voie sexuelle. En fait, laissons tomber. Attendons le docteur. Je m'excuse, madame. Hein? J'avais une urgence là, il fallait que je règle d'abord ça. D'accord? Bon, comme votre épouse a dit que vous n'avez jamais voulu divorcer d'elle, nous allons vous libérer. Merci beaucoup, mon commissaire. Grand merci, mon commissaire. Ne me remerciez pas, monsieur Bigmop. Ouais. Dites merci plutôt au plaignant et à votre épouse. Merci, ma chérie. Merci, mon amour. Merci, maman. Merci une fois de plus, mon commissaire. Grand merci. Dès que vous aurez payé les frais de cellule qui s'élèvent à 30 000 francs, vous pourrez rentrer chez vous. Mon commissaire, nous allons régler ces frais tout de suite même, mon commissaire. Merci une fois de plus. Grand merci. Vous êtes un vrai commissaire, un grand inspecteur, mon commissaire. Merci, bébé. Je vous remercie. Je t'ai toujours dit que tu es ma mère. Tu es ma mère, chérie. C'est pas facile, hein, cette histoire. Ok, je crois que c'est ça. Je suis très content que vous ayez pensé à faire les examens prénuptiaux pour le mariage. D'accord, c'est bien. Merci, docteur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quel problème, docteur? C'est vrai que tous les examens que vous avez faits sont négatifs. Mais il s'avère que la fille a un problème très sérieux. Très, très sérieux, je le dis bien. Mais lequel, docteur? Elle est stérile et elle ne pourra jamais faire d'enfant. Quoi?
sensibilité. Ils vont entrer dans votre intimité.